Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19h03 et nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 mai 2024. J'ai l'habitude de zoomer. Là, je zoome sur ces deux messieurs. À ma gauche, avec les lunettes, il est résident en Angleterre, monsieur Régis Bizet. À ma droite, avec l'autre, monsieur Gérard, résident à Paris. Un Anglais et un Parisien pour un seul but. La manifestation du 18 mai. 2024, ici à Paris. Monsieur Serge Bizet et Gérald Melando nous donnent rendez-vous à la grande manifestation du 18 mai 2024. L'anglais, c'est celui qui porte une lunette. Le parisien, c'est celui qui a une torpède. Gérard Melando et Serge Bizet nous donnent rendez-vous à la grande manifestation du 2024. Nos terres, pas à vendre. Terres ne sont pas à vendre. Bateau, tu as bête qui a retrouvé. Ma belle n'a plus à retrouver. Donc, nous allons nous mobiliser le 18 mai 2024. Je vous dis. Ça, c'est un sentiment qui doit animer tous les Congolais.
Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris que le 19 et le 18, nous avons manifestation sur la place de Paris pour aller dire non. Non à l'État congolais qui est en train de vendre nos terres aux Rwandais. Nous allons manifester le 18, ici, à Paris. Et au niveau du Congo-Brazzaville aussi, les Congolais vont manifester aussi le 18. Donc ensemble, partout, que ce soit en Europe, que ce soit dans n'importe quel continent que les Congolais se trouveront, ils doivent se lever, ils doivent manifester le 18 août. Le 18 août, nous serons à Paris. Non à la cession de nos terres aux Rwandais. Non à la cession de nos terres aux Rwandais le 18 mai. Nous allons manifester sur la place de Paris, nous qui sommes ici en France, plutôt de la région parisienne, et les autres qui sont en banlieue, qui sont dans d'autres villes, ils pourront aussi manifester le 18 mai 2024. Manifestation. Donc, Serge Bizet et Gérald Milando nous donnent rendez-vous à la grande manifestation du 18 mai 2024. Je vous donnerai plus de détails. J'attends les instructions de Serge Bizet et de Gérard Milano. Et puis je reviendrai vers vous. Et en ce moment-là, nous allons nous entendre. Et ensemble, nous verrons comment nous allons nous organiser pour qu'on se retrouve dans cette manifestation-là qui se fera le 18 mai 2024 à Paris. Je vous dirai le lieu de la manifestation d'ici quelques jours. Bon, mesdames et messieurs, donc vous avez compris que l'heure est grave. Nos terres ont été vendues aux Rwandais. On peut dire, même si elles ont été cédées aux Rwandais, que ce soit la cession, que ce soit la vente, on n'en veut pas. Les terres congolaises appartiennent aux Congolais et aux Congolaises, pas aux Rwandais ni aux Rwandaises. Je vais maintenant vous faire écouter deux audios qui parlent de nos terres.
et je ferai la traduction après. Avec le ngo du Kinkimbo, tata fila, le filature. Ah, bande de le je dis 9, le 9 mai. Makamozo le Karamoka, Congolais tout à Yébi. Congolais Mogote à Yébi. Congolais tout à Yébi. Zali à l'éloté. Congolais tout a yébi que depuis PCT à Zob Kodinamo Kanabiso, ça fait 40 ans. Mazamaba et Koufa. Congolais pète tout a yébi. Liwa ya Marien Wabi et Wouta Wapi. Congolais pète tout a yébi. Liwa ya Anga et Wouta Wapi. Neba Tawara, Neba Tingala. Suite à Yurupe Toyemi et Utawapi. Congolais a sali analyse Toyemi et Sikatu et Uta. La France n'a complicité naïe. Neba Makamone Bentere. A Zongisa, Papa Mokonzi a commandé à Gamboka Nabisona Bokonzi. Pour combattre les Souba. Il fallait chercher une personne au bango ba monaki kazala ki fidèle la bango ba zongisa yi congolais pe ayebi yango but ya guerre ya 5 juin to yebi ke mokonzi mboka wana nenga convoqué ki ba nordiste donc tous les nordistes nenga convoqué ki bango po ba kota guerre po ba bunda to yebi yango to yebi pe nenga dibis parfait kore la pe akufi. N'est-ce pas pour moi, tu y es bien. Peuple congolais, mon cannabis, la mini-toyo, l'histoire, il y a papa mon conjoint, mon kawa, comme on a comme mon cannabis, et comme une souka. Parce que n'a mon kili, à ta au régné, à ta au lié, à ta au méli, heure mon conzambe, à kosuki, soit collection que y a Zalin Zambi. Là, je peux rattraper. Le rosiko to komi na realité. To komi na sujet moko ya ba Rwanda, sujet monene. Makambo ebele e bomba mi na kati ya ba corps wana. C'est les accords militaires. Et zali parce que a komi komona ke AGKI. Makolo pe komi na libulu, lobi pe li wa. Solution na ye, mwana na ye, il faut adiriger moka wana. Donc, tant que quelqu'un soit appuyé par Rwandais, parce qu'il n'a pas confiance à l'armée congolaise, d'abord, il trahit l'armée congolaise. Oh, il y a des officiers belés, il y a des généraux, des gens qui ont prêté serment pour servir cette nation, qui assiste le peuple pleurer. Vous n'avez pas prêté serment pour servir M. Sassou, mais vous l'avez fait pour servir l'État congolais. Donc, toutes les nations du monde, et si tu as une nation, tu es Mokili et Zalaka. Ce qui mbringa mbringa ekoti, ce qui paga ekoti, ce qui makambo ebimi, recours ya souka ezalaka l'armée. Recours ya souka ezalaka l'armée. Bino moto bapenga bakeri, bino bandu po bato bo bunda, na idéologie e ba memela bino ke, ce qui basudisi basu pouvoir, bakosilisa koboma bino. Mais ce n'est pas la réalité. Ça fait 40 ans, en 40 ans, il n'y a pas que les soudistes qui ont souffert. Donc 40 ans partout de Rousseau. Tout ce monde a mon sac, ma bombe à l'exalité. Tout ce monde a un fondo, ma oua. Tout ce monde a partout. Tout ça a le même problème. C'est-à-dire, les lots passent à yo, ils allaient passer à ma soudiste, ils allaient passer à ma nordiste. Ma toi, la mairie, ma zone est là. Ensemble, on fout à Kabangote. Ma tata Nicolas va avoir ses autres moments, ma souci. Ces vieux-là, bat la mairie, basaka, battu le sud du temps. Bat la mairie, quoi, basali, bat le nord. Oui, bah, salam, mon abonnement, ma cotisa.
metozo muna mutu mukwe kakulia mbongo wana ombeni azo liango po babua kakaina ba mizisye azo kulia mbongo wana po lala kabasi donc le problème du Congo ça concerne tous les Congolais ah ouais c'est quel problème y'a une nation et ça problème au Congo te mou teke te mou finite mou bembe te mou yakate mais et ça le problème y'a pas Congolais. Donc, Congolais, si tu as Zali, tu as l'amboka, tu as ba voisin, tu as l'amboka, tu as l'amboka, ba Côte d'Ivoire, tu as l'amboka, tu as l'amboka, Centrafrique, tu as l'amboka, tu as l'évolution de Zokinde. Congolais, oza wapi. Peuple congolais, awa tu kumina makama mabili. Tu yebi biso tout, ba rôle, oyo, Rwanda, azo sala na lese RDC. Yebi biso tout makambo Rwanda salaka et to yebi to sa conscience biso tout que la guerre du colonisation salama kuna et to yebi que ma commune na fiche bo konzi bango tout mais où est le rôle de l'armée congolaise où est le rôle de l'armée congolaise rôle za wapi l'armée congolaise za wapi qui assiste. Oui, je suis un peu plus de temps. Le peuple peut être cassé. Il faut l'armée de la Xabassine qui sont prêts pour faire la révolution. Tout ce qui est mis sommet. L'armée doit prendre ses responsabilités dans Mokawana. L'armée, vous avez trop assisté. L'armée a trop assisté. L'armée a trop assisté, j'insiste. Ils ont créé la guerre dans le poule. But, c'est pour mettre le poule à terre. L'armée a assisté. Mais vous oubliez que vous avez des enfants. Vous oubliez que vous avez des frères. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il faut besoin de conscience. Mobutu a dirigé pendant 32 ans. A tinapé banana ba meilleure école pour que Mokola Koukoufa banana yeba soit bokonzi. Mais banana soit mi koufé là avant Mobutu a koufa. Bonjour, ça la programme na binome, bon ça le programme en Zambété. Parce que ce peuple la pleure. Nous avons besoin, il y a Congolais tout. Osa la moto le nord, osa la moto le sud. Ozala moto mosaka soki wapi moto fondo moto polisi moto nkai moto le poule soit conscience na makambo zoli kana mboka yo soldat soit conscience le pays à terre nous avons besoin des braves. Regardez ce qui se passe dans le poule. Et sur les Ghana, na Centrafrique, nous condamnons les actes. Ce qui m'a quand même bouillé. Et les gars qui n'ont d'ongou. Congolais tout. Il faut étalayer parce que ils ont les Ghana Congo. Bande Korangaï. Tosengi, ma casse à l'armée. Certes que beaucoup de peuples croient, mais qu'on croit pour l'armée. Mais toi, Yéba, tu es l'occupé qu'au salam. Nous avons aussi des officiers, des courageux, des braves, qui peuvent dire aussi non. Mais c'est maintenant, pas demain. Le peuple pleure. Au talamakam. Vous avez souffert, l'obio motozalaki. La parking mobimba, il y a ma voiture. Guerrier, la idéologie va pesa yo. Keneko Bunda, parce que c'est le Nord qui est en danger, parce que c'est le Congo qui est en danger. Aux hommes, nous côté le Mabokeko Bunda. Aujourd'hui, aux akoutes, on a dit privé. Même voiture, il y a Pamba pour que la ville, mon salon, aux anangote. Même Jakarta, il y a Pamba. Il faut djembe la kabate, au salon, kabate demi-terrain. Mais hier, j'étais fort. Hier, contre l'état-major, prenait des décisions.
pour aller au combat, on t'associe à Bengayoya. Mais aujourd'hui, tu es seul. Oyebite ce que le Bigoulia Makaya ou pas. Pense à formation à Pamba. Pour que ne pas former, yo. Il faut oublier ça. Il faut passer à ton bongo. Mais hier, c'est toi qui as combattu. C'est toi qui as combattu à l'aéroport. Hier, c'est toi qui as pris le coin de la gendarmerie. L'objet, c'est yo, moto, soit qui coin du camp du tué. L'objet, c'est yo, moto, yibaka minuki, na gambouma. Mais aujourd'hui, tu es où? Aujourd'hui, c'est Denis Christine Sassou Nguesso qui forme de l'argent, qui a pris 14 000 milliards du Congo. Nous, on se confond dans le coin de la genou, le coin de la moto, moko, y'a Zoba. Mes chers frères, arrêtez ces gens-là et que ça la bino trahisonté. Mais plutôt, vous allez sauver la nation. Parce que Bakor et Rwanda, Bakiko Sekabino l'armée, Bakiko Loba, que vous êtes des incapables, vous êtes bassi. Vous êtes Yuma, Yango Bakiko Soba, Kor Nabangona Barwande, que en cas que les Rwandais vont protéger son fils pour qu'il prenne le pouvoir. Mes chers amis, et le Koutou et Zalakana sacrifice. Oui, il y aura des gens qui vont dire que l'homme de 59 esprits Congo est le mot de Kinkemo, le Bagana Poto pour le Balobakawate. La révolution va s'en la forme belé. De Gaulle, quand il a combattu, il était en exil. La guerre va s'en la Kamuna forme belé. Batotouba Munagana va son de combat, Bamisouba Mimakabilia. Bamisouba Batala Kakaka Baba Nemini Avio Solikawa. C'est-à-dire que tout a un rôle. Mes chers frères, parce que le Congo a besoin de braves. L'armée congolaise, prenez votre responsabilité. Bokanga batouana na moui. Beaucoup de sa discipline na moka. On est ensemble. C'était l'homme de 59 esprits Congo. Mano si sabamboutalongo. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre Général Vado Longo de Kindamba. Il nous dit quoi? Que chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Et lui, il s'adresse à qui? Il s'adresse à sa base. Sa base, puisque lui, il était combattant. Moi, je m'adresse aussi à ma base. Chacun de nous doit s'adresser à sa base, parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas là-bas au Congo que nous n'avons pas le droit de se battre. Chacun de nous a un rôle. J'ai souvent l'habitude de dire, lorsque on va dans un Tour de France, il y en a qui ne peuvent même pas gagner une étape, ce sont des porteurs d'eau. C'est-à-dire que le leader a besoin d'eau, d'une gourde d'eau, et le transporteur d'eau, donc un cycliste, va descendre en bas pour aller chercher le bidon pour le leader. Donc tout le monde a un rôle. Les sapeurs doivent jouer leur rôle ici, là, parce que nous avons un guide Matsuwa qui nous a dit qu'il faut se battre pour la terre. Nous devrons nous battre. Chacun de nous doit apporter sa pierre à cet édifice. Ce combat est à nous tous. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui, je vous ramène les audios de Général Vadou. Mais si on regarde bien, lui, les combattants, moi, je suis sapeur. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. Nous sommes en train de converger parce que nous avons un seul ennemi. C'est l'État congolais. Et la convergence des luttes nous donne maintenant la force de combattre ensemble. Eux, ils nous alertent. Ce sont des lanceurs d'alerte. Et moi, mon devoir, c'est de partager leur message. C'est ce que je suis en train de faire, la convergence des luttes. Chacun de nous doit se battre à sa manière. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Moi aussi, je m'adresse à ma base des sapeurs.
Le 18 mai 2024, il faudrait qu'on soit là, à cette manifestation-là. La terre, c'est pour nous tous, nous devrons nous battre. Quand tu l'as taxé, quand tu t'as quitté, quoi, bakaba nuana que bétume tota Congo taka ma papa, non. Il faut qu'on se batte. L'idéologie du sapeur, je vous l'ai dit, c'est Matsua. Matsua avec deux combats, le combat politique et le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Là, nous sommes dans ce combat-là, les inégalités et les injustices. On veut nous ravir notre terre pour la donner aux Rwandais. Il faut qu'on se batte. Moi aussi, je m'agresse à ma base. La SAP doit être présente le 18. Mais tu vas savoir, parce que nous sommes avant tout des citoyens et des citoyennes. Il faut t'acter la main. Quand vous êtes niveau Zanda, il faut t'acter la main. Il faut t'acter la main. Bête aussi. Je vous fais écouter l'autre Ngo de Kintembo. Filature. Là encore, c'est la convergence des luttes. Sapeurs et les combattants. Nous avons qu'un seul ennemi, c'est l'État congolais. Et on doit le combattre ensemble. Congo, 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 Bania Congo, Bania Congo, Mocha Beno Nyonso, Bisika Nyonso Beno Kele, Yakele, Nkundi Abeno, Lungo, Tekinkembo, en connivence toujours avec le général Vatou, Mwanawachi Sabambuta. Longo de Kindamba, l'homme de 59 esprits Congo. Bankunja lusolo batatara ba mama, beto ke tubilaka na beno, ke peto lenda kupika bwala ve. Bwala kele kwa ya kele mutindu tata na mama. Bwala ya kele shwave, ya kele don naturel. Bankunja lusolo batatara ba mama, beto ke zonzaka pamba ve. Beto ke kuisaka na kusala pari ya beto. Beno mpe. Bayina beto ke kufuwa pwala. Bayina kele na pwala. Beto nyoso, beto fukisa ba enerji. Samu na beto fer avanse pwala. Beto bango, kele na la NV. Beto bango, beto kele na jalousi V. Beto bango, kele ba tribalisme V. Nous, on ne peut pas s'asseoir sur une table. Là, on parle du tribalisme. Là, on parle de la division ethnique. Là, on parle de la division départementale. Parce que notre pays, si c'est arrivé à cette situation, si notre pays est arrivé à cette situation, ah ben c'est parce que le système qui est mis en place est nourri par le sang de la division. Le système, j'insiste bien, qui est mis en place est nourri par le sang de la division. La division ethnique. Ni la banque dans le sol. Beto bango. Que tu blagues à la peine. Si nous voulons faire, si nous voulons faire avancer notre pays aujourd'hui ou demain, Beto Fandé nous unis. Alors, dès lors que nous avons assisté à la destruction de notre tissu social, nous avons assisté avec un regard impuissant à la division. Ethnique, mais il y en a, Bankunda le solo, boile à péto, mais comme on a retard, boile à péto, mais comme on a situation à Yakil. Batatra Bama, surtout la jeunesse, devant la moine le nord, devant la moine sud, il y a ouest, il y a est, la moine il y a Brazzaville, Beto Bango que tu blagues à la péno. Qui m'a kata mosilenda pour sauver Beto, c'est l'unité. L'unité. On ne peut pas dire que tous les mochis sont mauvais. On ne peut pas dire que tous les Bakongo sont mauvais. On ne peut pas dire que tous les Lari sont mauvais. Tous les Bembe sont mauvais. Dans chaque ethnie, il y a toujours des méchants. Il y a toujours des bons. Bankunja le solo. Beto Katuka, naba esprit, il y a division. Nous, on insiste là-dessus. Bakatra Bama. Bakatra Bama. Beno Tala. Beno Tala. Il y a qui a voulu taquer la Burkina Faso. Je
preuve les valeurs. Le Congolais était respecté dans le monde, surtout dans l'Afrique centrale. Non, c'est quand même Brazzaville, c'est quand même la capitale de l'Afrique équatoriale française. Mais aujourd'hui, Brazzaville est devenu la risée de l'Afrique. Nous sommes devenus le dernier de l'Afrique centrale. Ce n'est pas normal. Quand tu regardes l'état de notre capitale, de notre pays, mais c'est triste. Liaouina, Ngemouen est le nord. Ngemouen est le nord, j'insiste bien là-bas, est le nord. Sima Zono, Batuvila Kanabeno, Keba Congo, Bakele Bancho Yimbi. Mingi, Bakaka Minduki, Nakwenda Kunwana, Nakwenda Kufwa Bakongo. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? On a vu des gens qui ont été des super guerriers, des hommes forts. Pendant la guerre de 5 juin. En ce moment-là, les enfants de Sassou étaient où? Les enfants du président Sassou étaient où? Mais aujourd'hui, lesquels qui s'en puffent de l'argent du Congo? Lesquels qui profitent de l'argent du Congo? Peuple congolais. Si aujourd'hui, le président Sassou a des problèmes, mais les vrais auteurs qui inquiètent, qui fait du mal à leur père, c'est d'abord ses enfants. Quand vous regardez Ninel, quand vous regardez Claudia, quand vous regardez Kiki, quel est leur rôle? Si c'était vraiment des vrais enfants, comme était Edith Sassou Nguesso, mais ils devraient être les premiers à conseiller leur père, à prendre des vraies décisions pour gérer ce pays-là correctement. Même Kounga Lusolo. Donc, Bancho Yimbi a été le babana d'abord, il y a président Sassou. Mais le tala, Igu Ngolondele, par exemple, c'est parce qu'il y a quel beau-fils, c'est parce qu'il y a quel Bakale Yaninel. Regardez, avec un bilan chaotique. Mais on nous dit ici qu'il est en train d'acheter toutes les parcelles du plateau de 15 ans. Oui, parce que les autres sont asphyxiés, les autres n'ont plus les moyens. Eux, ils trouvent, comme ils volent l'argent au trésor public, ils trouvent les moyens pour chasser les autres, leur contraindre de vendre leurs parcelles parce qu'ils sont en difficulté, parce que les propriétaires de ces parcelles-là sont des mal retraités. Imaginez ceux qui travaillent à la mairie, combien de mois son salaire? Donc s'il a une parcelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre pour se retrouver même au village. Même Kounga Lusolo. Surtout la jeunesse, soyez connectés. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso, l'éveil de conscience. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Niger. Soyons inspirés. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Le Congo ne peut pas rester dirigé comme ça. Le Congo ne peut pas rester la rusée. Le dernier de la classe dans notre continent. Nous sommes un pays béni. Nous avons la richesse naturelle. On n'est pas nombreux, on n'est même pas 6 millions d'habitants. Le Burkina Faso a 22 millions d'habitants. C'est un petit pays. Le Congo est plus grand que le Burkina Faso. Mais comment le Burkina Faso est un pays aujourd'hui qui fait la fierté de l'Afrique au moment où nous qui avons tout, on ne fait rien. Ni Yahoui n'a pas de mango. Mais quoi ça? N'a quoi interpeller? Conscience à ma congolaise, à ma congolais. La jeunesse, nous, elle insiste sur la jeunesse. Ne tombez pas sur la facilité. Ne tombez pas sur l'alcoolisme. Ne tombez pas sur la division. Soyez unis, car l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Bakounia Lusolo Batata Rabama, Bleto Bango, Samuna Tchadi Yabouala, Samuna Vivre Ensemble, Yina Beto, Ke Proneke,
les instructions, un pays n'est pas bien géré. Quand un pays est mis en déroute, l'armée prend ses responsabilités. Quand les institutions d'un pays est mal gérée, l'armée prend ses responsabilités. Nous avons quand même des généraux, nous avons des colonels, nous avons des capitaines qui ont juré pour servir cette nation. Moi, je sais très bien que tous les militaires que nous avons ne sont pas des vendus. Moi, je sais très bien que tous les militaires que nous avons ne sont pas des commerçants. Moi, je sais très bien que tous les militaires que nous avons n'ont pas une mauvaise moralité. Nous avons des bons militaires. Mais le Congolais pleure. La Congolaise pleure. Les enfants du Congo pleurent en général. Il y a Vandamwa dans le nord. Quand il pleut au nord, regardez comment des villes, des villages sont inondés. Regardez la seule route qui me ramène au nord, chers compatriotes, c'est cette petite route-là. Si le président Sassou était vraiment aimé le nord, mais il devrait faire des autoroutes là-bas. Il devait faire les autoroutes là-bas. Il devait même faire un chemin de fer là-bas. C'est pour vous dire que le système qui est mis en place, ce n'est pas un système qui est là pour le peuple. C'est un système qui est là pour leur propre intérêt, pour remplir leur poche. L'armée, vous devrez prendre vos responsabilités. Il n'est jamais trop tard. Il est jamais... Et vous allez être soutenu par le peuple, plus particulièrement par la diaspora. Regardez ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu dernièrement au Poule, quand il y a eu la fête du 1er mai. Un département qui est meurtri, un département qui est dévasté, un département qui nécessite plusieurs événements pour essayer de restructurer ce département-là. Le Poule, c'est le cœur. C'est le cœur du Congo. C'est la locomotive du Congo. Voyez-vous? Mais au moment où on parle de droit du travail, les gens ramènent les matchs de football, ramènent le nzango, ramènent la distraction. Boire, manger et danser. Mais ce n'est pas comme ça que nous allons reconstruire ce pays. Ça, ce n'est pas les valeurs d'un Congolais. Mais non. Regardez la femme congolaise au jour d'aujourd'hui. Elle est devenue comme une risée. Elle est devenue une facilité. La femme congolaise aujourd'hui n'a plus de valeur. Chers compatriotes, nous devons nous ressaisir. Regardez, copiez ce qui se passe au Burkina Faso. Moi, je n'ai jamais vu une semaine culturelle congolaise où on va brasser toutes les cultures du Congo. Je n'ai jamais vu ça. Chers compatriotes, comment nous allons faire pour recoudre le tissu social de notre pays qui est déchiré? Reprendre le vivre ensemble. Mais ce que nous avons vécu dans notre pays depuis les années 93 jusqu'à nos jours, pour que nous puissions revivre ensemble, il faut créer plusieurs événements, surtout dans le secteur culturel. Alors, qu'est-ce qu'il fait le ministre de la Culture? Où est le bilan du Premier ministre? Nous avons un gouvernement incompétent, absent. Même le payabat du base d'un Congolais, avant des pièces d'identité. Il y a 20 pièces d'identité. Il y a 20 passeports. Galère. Le système a fait de telle sorte que tous les Congolais sont devenus des voleurs. Parce que c'est le système qui l'oblige. Parce qu'il n'y a pas le droit. Ah, Bafou de Lusol. Beto Bango. Kele Nanganda. Beto Kele Namputu. Mais en esprit, on est ensemble. Le corps est ici, mais l'esprit est au Congo. Tous ensemble, nous allons unir nos forces pour que nous puissions libérer ce pays, nous puissions faire avancer ce pays. Yavanda Kankundi, Yabeno, le Ngo de Kindamba, le Ngo de Kinkembo plutôt, en connivence toujours avec le Ngo de Kindamba. Vous savez, nous sommes une seule personne. C'est pourquoi il y a eu cette nuance. Merci Ngulu Yabeno Mbote.
Mesdames et messieurs, il me reste 15 minutes. Ça ne sert à rien que je commente. Je vous fais écouter deux audios qui me restent, que j'allais vous faire écouter hier. Comme ça, on va terminer avec ça. Bonjour, bonjour le Congo, bonjour l'Afrique. Bon, na koloba pona likambo ya Sassou na ba Rwanda na ye. Eyali Kagame te mota benga Sassou. Mais Sassou akende ko charmer Kagame. Pourquoi Sassou akende ko charmer Kagame? Parce que Sassou na mutu na ye, na ye na mwana na ye na famille ba yibi, bien que non. Après gouvernance na ye, ça soit qu'on a mal vu, vu na makambo ye a sala na mboka oyo. Makila ya bato ya tangisa escroquerie moyibi ainsi de suite. Yangwana basharonya Sassou hypocrite na ndengo baza bayibi tete na Sassou ayaka na confiance ata na mutu na moko na gouvernement na ite. Confiance yaka na mwana na ye oya ko protéger. On a évité qu'un jour, il y ait une petite née bimbi, c'est pas ça, on a dit, on a dit, pona voilà à protéger yé na banana na famille na ba bien illégaux au bango ba yibi ba pied na kati ya mboka na biso ba congolais bosa la ka mabete tala mabé oyo sa soit sali comme se rattraper na yi et voilà Kagame a imposé la sungisu a pesa yé bien yangwana akoko tswa emblème ya nation qui est la terre à qui vous pèse à mon Kagame. Si réellement, nous avons manipulé l'opinion nationale et internationale, qui nous avons une location à bâtir, et elle nous coûte. Et elle a une location à bâtir. Tant que nous avons loué que terre, et à moto, nous avons une petite foncière. Location à bâtir, nous avons jamais coupé sa locataire à sa petite foncière à l'opin ou à moto. On est comme maintenant contre Moussoussou. Massacrer ici dans ce pays. Donc, nous avons des Congolais totalement
répondre à tout mutu moko, que ce soit bato ba ba charonier ya sasu, que ce soit peuple, tout sangana, tout lutter, tout chasser sasu na pouvoir na ina bana. Sinon c'est le pire qui va nous arriver. Nakanisi biso tout aux témoins, tout mon scénario sanguinaire zoli kana RDC, oyo ba rwandais ba sont maltraités, ba congolais en gambo. C'est nos frères. C'est nos frères. Donc, c'est un lobby bien organisé par les Américains. Le projet Tutu Power et l'Ingotua, l'océan Indien et le coucou dans l'océan Pacifique. Ndenge Zawana, la mer Indienne, na océan Pacifique, faut Royaume-Uni et traverser l'Afrique. Kagame, na ba Rwandais, na tout ça, la chasse, ça va en Tanzanie. Et puis Ndengeza, ce qui est encore plus dangereux, Sassou est en danger lui-même qui a fait le contrat avec Kagame. Parce que Mokolo, soit Sassou ou bien Banane, va renoncer encore à ce contrat. Wana. Kagame a empoisonné. Ça sera la même chose pour Kama. Brusquement, Ndengeza, Bouma, Kimangoufouli, Ndengeza, Boumi, Pierre Kounziza. Moi, si à Grandez Wana, ils ont représenté, ils ont Kagame en personne qui est là. Donc, nous avons aussi les réseaux sociaux qui ont Pierre Mabiala a compliqué les Kamboya et Nineux. Pierre Mabiala, c'est réellement que non, Pierre Mabiala, le Rwandais, qui est comme on a eu pendant ça la titre foncée à Boui. Et l'ingle, que non, Pierre Mabiala, c'est obligatoirement qu'il faut empoisonner la Bango parce que le Rwandais va sacaner à côté poison. Va sacaner à Tana Mokete. Et puis, c'est Pierre Mabiala, il y a encore, dans Mbokuyo, quand on a encore un gouvernement, ce soit ça, c'est qu'il est sorcier. C'est que Pierre Mabiala est sorcier. Mais au cas où ou sale encore à gouverner à Sassou, il faut voir que Pierre Mabiala c'est un sorcier. Il a signé le pacte avec le régime de Sassou dans Ndenge à Boutou. Parce que ah oui, commis, tout commis et dernier souffle. Ce que de défendre Boukana Bissoté, demain c'est la ruine. Demain c'est la ruine. Demain c'est la ruine. Les Congolais Boyokanga, demain c'est la ruine. Na yebi bien comportement ba Rwandais. Na kanisi biso tali événement ya hôtel du Rwanda. C'est des gens sans pitié. Bako luka même mboka la biso na même style oyo RDC et kota na ngona ba 97-98. Bako même même crise ya transition na mboka na biso. Toko risque to djwa. Ba ministre rwandais na mboko yo. Parce que déjà la femme là est plus que même un premier ministre. Bokembo va ça mon papa vice-président. Bokemba n'est pas plus vice-président. C'est cette dame là qui est la vice-présidente de ce pays. Et puis c'est elle qui décide tout sur notre pays. Et puis il y a lié mon tazo tek à pétrole congolais n'a pas fait à Mendo qui a défendre le pouvoir à moi la Sassou. Ou bazo Kenekan n'a pas Bégistan, n'a pays proche à Russie, c'est pour chercher des armes pour nous mater. Et les Congolais, on doit se lever pour défendre notre nation. Soit que Boyko s'est sacrifié, soit que Bangé Koufa, Koufa y a vraiment un côté de la bise pour ma bise dans ma tête. Les Congolais, Boyko Kanga, tout ça, on a tout comme un moto moko pour nous défendre. Mboka na biso. C'est très très dangereux. Mais comme vous accompagnez que les Rwandais, nana bin ba amulu mindoki na kanisi boko mona na pinde nge sasua komiko kotambula kana ba rwandais na mindoki les quatre départements na biso comme déjà assiégé veut dire que non ba kotwa ngona ndenge ya makasi ko sa déjà ni terre guerre parce que et koki jamais ko sala manase ya moyo ki non emblème ya nation lokola mabele boka no kodo ba pa yebo pesa ngo bo yipe na mindoki boko imposer ki par la force et la violence. Mais pourquoi pas? Il y a toi qui est tendu, il y a eu un bango, mais après ça va rwandais. Mais pourquoi qu'il faut s'imposer ailleurs? Oui, mais ce sont les savants à imposer une dictature d'un sauvage dans Mbokoyo. Il a fait une étude sociologique. A yébi ma mentalité, ma congolais, yébi qui l'ont. Ma congolais, ma kobonzi, ma te ma koufa, pas d'intérêt à Mbokoyo. Donc, biso ma congolais, tout ça là, très très attention. Tout tellement de défendre Mbokana Bissou. Ce qui arrive dans notre pays, c'est le pire. C'est le pire.
C'est le pire. Afrique centrale est commis déjà en danger parce que déjà, ceux qui bossent mon cercle, déjà, la RDC d'abord, c'est un continent. Ceux qui bossent mon cercle, en gros, déjà, ils ont le bac, non? Le pire est qu'arrivé à Katia Mbouka et Afrique centrale. Le pire arrive à Congolais. Le pire arrive. Ce monsieur-là est dangereux. Il nous a pauvri à piller Bisso correctement. Et au deux, il est super ingrat. A qui encore au Mbouka n'a Bisso au Bradango au Tekango d'Abarwande. A pauvri Bisso, a maltraité Bisso, a piller richesse Mbouka. Perdu encore Mlé, mais à Nation Mabilé. Donc, tout comme déjà, un locataire de combien étranger à Katia Mbouka n'a Bisso. Par Congolais, botelema. Tellement le pire arrive dans notre pays. Je dis bien, le pire arrive. C'est le diable en personne. C'est le diable en personne. Pour Sakanate, le Rwanda ne pourra jamais accepter que non. Si vous voulez, moi, ma yoto, à Pesakaïwana, jamais. Sundengazawana, comme même entre la vie ou la mort, parce que mon collègue a renoncé à Corona Kagame. Il va le sacrifier. Il va le sacrifier. Parce que ça, les gens qui ont fait un coup de fou, Pierre Kourouzinza, et ainsi de suite, ça a été un poison dans le Rwanda. Et puis, ça, vous savez que nos autorités, au moins, ils vont faire des choses parce qu'ils vont y aller. Comme l'affaire, c'est le Rwanda qui gère maintenant le Congo, Yangwana, les pays, nos hommes politiques, les grands hommes, ils vont éviter parce qu'ils vont l'empoisonner. Non, Rwanda. Ma Congolais, botelema, tout bon de l'ombo canabisou. Le pire arrive. Le pire arrive. Et quand il y a le coup de ma cambo, tout le monde a gagné à RDC. Où il y a Bakur, Zahiri, Mbouma, Babizou, Bakara, Bagiams, Kabari, ainsi de suite. Parce que les gens qui maîtrisent la cartographie économique et stratégique, et Mbouma, tout d'abord, Kagame est informé pour l'histoire des renseignements. Il est mieux informé que Sassou, Nakadia Mbouma, Nakadia. Kagame ni gazana ayebi Congo Brazzaville kolika Sasungi soyimo ko mukulumbuka. Il connaît que dans telle région, dans la Songa, il y a telle richesse, dans la Likwala, il y a telle richesse. Et ce qui est dans le sud de l'Ouest, il y a Likwala pour recouter lac télé, ce qui est dans la Lunyari pour que nous recoutons tel lac, telle forêt de Mayom, il maîtrise tout. Next. Bon, mesdames et messieurs, c'est sans commentaire, vous avez tout entendu, je n'ai rien dit, vous avez tout entendu, on a parlé en Kikongo, on a parlé en Lingala, voilà, le diable en personne, c'est Kangame, et qui vient de signer le pacte, encore avec un autre diable, Sassou. Nous sommes dans la merde si on ne se met pas debout. Nous sommes dans la merde. Alors, ça regarde tout le monde maintenant. Ce n'est plus une histoire de « Oh non, Tegalopoul », non. Il faut qu'on se batte. Et n'oubliez pas que le Nord ne viendra pas dans la manifestation. Les Nordistes ne viendront pas. Dans ces manifestations, les Nordistes ne viendront pas parce que pour eux, ils se disent que tant que ça soit là, tant qu'eux ne sont pas inquiétés, tant que ce ne sont pas leurs terres, tant que ce n'est pas le Nord, ça ne leur concerne pas. Avec ou sans eux, mesdames et messieurs, le Sud, nous sommes nombreux. On va faire bloc. Avec ou sans le Nord, nous allons faire bloc. Comme eux aussi, ils sont en train de faire bloc derrière le chef de l'État. Mais le vent est en train de tourner. Il tournera. Et ce jour-là, si on réussit, la question sera encore posée. L'avenir de Mbochi. Et au-delà de l'avenir de Mbochi, c'est le bloc nord. C'est tout le bloc nord qui se remet en question. Nous sommes en train d'intervenir, nous sommes en train de faire des vidéos, des audios. Est-ce que vous entendez les nordistes faire la même chose? Non. Est-ce que vous entendez les nordistes critiquer la politique qu'est en train de mener le chef de l'État? Non. Nous sommes livrés à nous-mêmes, mais nous avons l'habitude. Nous avons l'habitude et nous allons nous battre.
Mesdames et messieurs, voilà, je reviens, comme j'ai dit, maintenant, c'est notre combat à nous tous. Je vais prendre encore, comme j'ai l'habitude de dire, ne quittez pas. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Comme ma belle Oyo. Ben, vous avez compris, Serge Bizet
Et Gérald Melando, nous donne rendez-vous le 18. Alors le 18, je le dis, j'appelle la base, la mienne, les sapeurs. Le 18, je vous donnerai le point où nous allons nous retrouver ensemble. J'attends les instructions de Serge Bizet et de Gérald Melando. Dès que je les aurai, je vous dirai le point de règlement. Il est grand temps qu'on s'engage dans le combat contre la cession ou plutôt les ventes de nos terres. Je viendrai vers vous dès que j'aurai des instructions, je viendrai vous les dire et puis je vous dirai ou à côté Beteke Koten à point de repère et à Beteke Vwanda pour une fois la SAP. Il faut qu'elle se mette en route Betkoendeno, Tuendeno, Taseno, manifestation. Donc, mon égard à point de repère. Et là, tu bois banen. Bamoukou se zondi le bent à Betkoendenawa. C'est mon égard à Boma. Benetoul là-bas, ben masque, comme Benika Koendena Boal. Je reviendrai en détail dans tout ça. J'attends qu'on me donne les instructions et je viendrai vous les donner d'ici là, mesdames et messieurs. Voilà. À demain, si Dieu le veut. Merci à tout le monde. Merci.